Bonjour ami terrien, comment ça va bien? Alors aujourd'hui, je voulais partager une petite idée qui me trotte dans la tête depuis un moment et que je commence tout juste à mettre en place. Parce que comme tu vois là, on va dire que c'est pas trop fleuri, il y a un peu de vert, il y a quand même quelques trucs, mais c'est pas non plus fou niveau des plantes, des fleurs, des couleurs. Alors j'ai décidé de faire un truc, c'est d'aller dans un magasin. Là, c'était surtout à Lidl. Tu vois, j'ai acheté plein de fleurs. Mais genre, plein de fleurs. J'ai pris tout ce que je pouvais à peu près. J'ai pris aussi des engrais verts chez Cocopelli. Alors là, c'est tout ouvert. Je te montre comment je fais. Je mets tout dans un petit saladier, comme ça. Et puis, regarde, hop. Voilà. C'est tout bête, c'est tout simple. T'en prends. Hop. Et t'en mets partout. Voilà. T'en reprends. Et t'en remets partout. Voilà. 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 C'est simple, facile. Il n'y a pas à se prendre la tête. Hop. Lolo. On en met. Hop. Tiens, un peu par là, ouais, comme ça, voilà, là, là, voilà, c'est tout simple. T'en prends, hop, et t'en mets. Tu vois, je fais des petits parterres, bon, des trucs qui poussent, mais on va en mettre plein de trucs, on verra bien ce qui marche. Parce que me prendre la tête, tout faire au cordeau, et je vais même te montrer un truc que j'adore faire. Toutes ces magnifiques petites graines de fleurs. Et ben, alors ici j'ai un endroit où avant j'avais mon ânesse. Et comme tu vois, waouh, là, c'est juste les restes de foin qu'on fait que tout ça a poussé. J'ai absolument rien planté ici. C'est tout ce qui est reparti des restes de foin de mon ânesse. Du coup, comme j'ai toujours rêvé de faire, on prend des graines, hop là, et on les jette. Prends des graines, voilà, on en met, hop, voilà, partout, voire même carrément, hop, et voilà. Donc je t'invite à faire de même, fais-toi plaisir, achète plein de fleurs, plein d'engrais verts, tout ce que tu veux, tu mets tout dans une petite gamelle et t'en balances partout tout le temps. Ça, logiquement, vu que la nature est bien faite, d'ici quelques temps, ça va être rempli de fleurs partout. Plutôt que du grand vide un peu. Je te montre un peu plus loin. Voilà, il n'y a quasiment rien. Il y a quelques repousses de chêne à droite à gauche que j'avais coupées. Mais c'est vraiment pas fifou la forêt. Donc je pense que ce serait sympa de l'aider. Quand je vois que tout ce qui est là, toute cette masse végétale, elle n'est pas venue toute seule, mais j'ai absolument rien planté. Ça s'est fait naturellement. Parce que tu vois, bah, cet arbre-là, j'attachais le filet à foin de mon ânesse. Et du coup, bah, à force qu'elle en mange, qu'elle en mette partout, bah, voilà, c'est une jungle d'herbes, comme tu vois. Alors que tu prends 3 mètres plus loin là-bas, bah, il n'y a plus rien. Comme quoi, oh, petit bourdon. Comme quoi, la nature est bien faite. Donc n'hésite pas, achète des fleurs, achète des plants, achète tout ce que tu peux. Sème tout, partout, tout le temps. Voilà.